Garder la première position, ça serait bon. Les Marcel vont s'affronter en finale. Ce sera le duel à finir. Mais avant tout, Marcel, de son côté, a une autre course à faire. Il est aussi très nerveux car aujourd'hui, il va réaliser un rêve de jeunesse. Piloter une motoneige dans le circuit Pro-Champ. Une vraie bombe. Le circuit Pro-Champ, c'est la LNH de Laval sur place. C'est même le plus grand rêve de Frédéric. Mais pour l'instant, tout n'est pas gagné. Marcel travaille encore à régler la motoneige à sa main. Ce que Marcel veut dire dans le fond, c'est que sa motoneige est de terre dans les tournants. Il va falloir qu'il trouve un moyen pour qu'elle reste collée sur la glace. Comme l'expliquait Fred, la glace molle, ça donne une course plus physique. Il doit mettre tout son poids pour que la motoneige puisse tourner dans les virages. Tellement que son corps frotte par terre et fait de très gros étirements. Dans leur quête de vitesse, les coureurs accroient à l'adrénaline, prennent des risques. Ça peut être bon. Mais d'autres fois, c'est pas mal plus dramatique. Pendant que Fred soigne ses blessures, quelque chose de terrible est arrivé pendant la qualification Pro-Champ. Marcel a essayé une machine aujourd'hui, une nouvelle machine qui était prêtée par une équipe. Ça a mal tourné pour lui. Là. Ça l'a pas viré pour X raisons. Puis ça a l'air qu'il est quand même bien mal en point. Marcel Savard, champion en titre du circuit 500, a eu un grave accident en tentant de réaliser son rêve d'aller courir chez les pros. La motoneige prêtée a mordu trop fort dans la glace et l'a projeté dans les airs. Il y a eu plusieurs embardés et la motoneige lui est retombée dessus. Tabarnak! Pour sa vie. Il a été injecté dans la falaise où il n'y avait pas de balle de foin. Suite à ça, ben là, c'est là que son bras a comme explosé dans l'accident. Quand il est embarqué dans l'ambulance, ils l'ont collé à l'hôpital comme possible de décès. Il a été intubé sur la traque. Il ne respirait pas par lui-même. Son cerveau avait beaucoup de lésions. C'est dur. C'est que nous, on est des personnes, on est ensemble 24 heures sur 24. On travaille ensemble, on fait de la course ensemble, on s'amuse ensemble. On est des amis, des maris, des amants.